Salut les métalleux et les métalleuses, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique d'album. Donc j'ai décidé de vous parler du nouvel album de Dark Revenge, du même nom, Dark Revenge. Donc un excellent groupe, album de heavy metal des années 80. Donc que dire sur ce groupe, Dark Revenge est un groupe français de heavy metal 80 comme je vous le disais, fondé en septembre 2016, venant de la région parisienne et région du centre. Donc tout simplement à la basse on a Phil, donc ancien bassiste de Blasphème, bassiste plutôt de Blasphème, donc ce n'est pas un ancien bassiste, il est toujours bassiste pour Blasphème. Ensuite on a Alex qui est guitariste, ex Arkenstone, Screaming Toys, Totem, etc. Chrysalide aussi. Il y a aussi Fab, autre guitariste, ex Arkenstone et Unexposed Road. Nico à la batterie qui est un ex Scov. Pat chanteuse, ex Urial Dixie, Screaming Toys aussi, et bien d'autres. Donc l'album est sorti le 20 octobre 2017. Donc franchement c'est eux qui nous l'ont envoyé, donc encore merci au groupe pour ceci. Ils font vraiment du super boulot. Donc dans les titres, il y a en premier Prophecy, en deuxième Feel Music, en troisième Fight qui est pour moi un préféré, en quatrième Fly Away, en cinquième Live or Die et en sixième A Star from Hell. Donc l'album est masterisé et mixé par Fabien Guillotto et donc cet album est passé en septembre 2017. Donc franchement un très très bon album. Sur la pochette on voit quoi? On voit une tombe, enfin un cimetière avec une colorimétrie assez bleutée avec des oiseaux au-dessus, la Dark Revenge, donc très très bien. Derrière on voit une forêt plutôt très sombre avec tout ce qui est remerciements et détails techniques. Et là les titres, quand on ouvre on tombe sur une petite carte de visite, encore merci Dark Revenge pour ceci. Quand on ouvre on tombe sur une petite tombe avec Rest in Peace Dark Revenge. Là on a la pochette de base et quand on ouvre on a des lyrics. Donc encore merci tout simplement à Dark Revenge pour ce CD, n'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux. Pour tous les fans de heavy metal des années 80, c'est le groupe qu'il vous faut. Il n'y a rien de plus mieux que Dark Revenge, surtout avec Pat qui est une chanteuse, je tenais à signaler. C'est une chanteuse et vraiment un excellent timbre de voix. Ce n'est pas du lyric voices, plutôt du heavy metal voices. Hein. Franchement, super bien foutu. J'ai une petite préférence pour tout ce qui est Arch Enemy, donc voix orphemale voices, classique voices. Je préfère tout ce qui est voix heavy comme Dark Revenge, Arch Enemy et bien d'autres. Donc on se retrouve très bientôt pour de nouvelles chroniques d'albums. N'oublie pas Dark Revenge et je vous dis ciao.